Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai la chienne, elle est en train de fouiller partout. En ce moment, c'est son délire, je vous l'ai dit. Alors aujourd'hui, on se retrouve en fait juste pour faire une présentation d'album parce que demain, je vous ai mis sur la chaîne. Alors vous allez avoir demain et après-demain, donc ça va être en trois vidéos. Parce que ma deuxième vidéo en fait a coupé, j'avais plus de place sur mon PC. Donc vous allez avoir en fait ce tuto d'album en trois vidéos, mais voilà, je voulais vous le présenter avant. Maintenant, je sais que voilà, vous aimez bien quand je présente un petit peu avant, ou vous aimez pas. Bon, après, je vous présente. Hein. Vous regardez ou pas, mais au moins ça vous donne une idée de ce que je vais vous présenter en fait en tuto. Donc, du coup, je vais vous présenter un petit album comme ça qui est très simple, même pour les débutantes, et c'est avec du papier de chez Action. Voilà, donc comme ça, voilà, vous pouvez le faire avec n'importe quel papier. Donc, il est 100% Action, sauf le ruban qui vient de chez Noz et après ça. Sinon, le reste, c'est Total Action. Donc, je vous laisserai voir la vidéo demain, la première partie, et jeudi, la deuxième et dernière partie, puisque ça a coupé, donc j'ai pas pu faire autrement. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, donc après, moi j'ai mis un gros ruban. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un gros ruban. Donc, il va s'ouvrir. Donc, c'est une couverture simple, vous allez voir, c'est très très simple à réaliser. Et ensuite, c'est une structure en U que j'ai faite. Voilà, donc il se présente comme ceci. Alors, il fait très très printanier, hein, ça j'avoue. Voilà, j'avais envie de couleurs, un petit peu de fleurs, voilà, un peu de rose, etc. Donc, du coup, c'est pour ça que vous avez pu voir sur mon Instagram passer la page de mon art journal avec ces papiers-là d'ailleurs. Voilà, donc là on a la couverture. Ici, de ce côté de couverture, j'ai réussi à faire une petite page comme ça et une autre qui se lève comme ceci. Donc vous pouvez mettre des photos ici, ici, là-haut et là. Donc voilà, ça vous permet quand même de mettre pas mal de photos. Et ensuite, vous avez les pages, vous voyez, juste là. Comme ceci, comme cela. Après, il y en a une qui s'ouvre comme ça. Vous avez les autres pages ici. Donc tout ça, voilà, je l'ai fait avec les papiers du bloc que je vous ai montré. Donc c'est un ancien papier. Donc vous voyez là les pages, en fait, l'album, il se présente comme ceci. Vous voyez? Moi, je trouve vraiment sympa que ça soit dans la forme, dans la couleur. Voilà, je voulais quelque chose qui change un petit peu et je voulais vous présenter. Alors, c'est pour ça que j'ai fait en trois vidéos parce qu'il n'est pas forcément long. Moi, j'ai mis longtemps parce que je vous ai coupé un petit peu pour que ça aille plus vite pour vous. Mais voilà, le temps de découpe des papiers, etc. Franchement, hier, j'y ai passé l'après-midi entière. Et je voulais quand même faire quelque chose de assez correct. Voilà, pas un truc, vous voyez, vite fait. Enfin bon, voilà, et essayer de le faire assez bien. Et du coup, ici, donc c'est le fond de notre album. Hein. Vous voyez, comme ça, là. Tac. Pourquoi je dis du coup à chaque fois? Voilà, tac. Donc là, le derrière, le fond. Et le fond, on a fait une petite carte comme ceci, pareil, où vous pouvez mettre une photo là ou pas d'ailleurs. Là, j'ai laissé noir à l'intérieur. Après, vous pouvez décorer ou voilà, ou autre, ou mettre juste des photos. Donc là, vous avez une petite pochette et là, vous avez un petit rabat ici où vous pouvez mettre photo ici, là et là. Et donc, en fait, ça va être la petite carte là qui vous tient votre rabat fermé. Vous voyez, ça évite de mettre du scratch ou des aimants. Donc voilà, c'est vraiment un tuto pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel. Donc vous voyez, à part du ruban, c'est tout ce qu'il vous faut. Et du papier. Et le papier noir, j'ai pris, vous savez, des blocs blanc craft et noir. Là. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est bien. Alors, au niveau de la taille ici, il fait 21. Et au niveau d'ici, il fait 10 cm. Voilà. Donc, on a de quoi mettre. Alors, en photo, je n'ai pas compté combien il y avait d'espace photo, par contre. Alors, donc là, vous pouvez en mettre une ou pas. Hein. Donc, là, on va compter pour une et une. Donc, ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, ça dépend là si vous mettez ou pas, on va compter. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voilà, une trentaine de photos à l'intérieur. Moi, je dis que c'est quand même pas mal. Hein.
30 photos dans un petit album comme ceci. Après, la déco, je l'ai vraiment faite discrète, on va dire. Voilà, vraiment, j'ai pas mis grand-chose parce que je trouvais que le papier, voilà, il est déjà bien chargé. Donc, j'ai vraiment mis juste des moments précieux. Bah, voilà, hein, c'est pour mettre les photos à l'intérieur. Des petits autocollants, en fait, c'est des autocollants que j'avais eus. À Cultura, voilà, comme ceci de chez Artemio. Voilà, c'est vraiment, il n'y a que ça qui n'est pas d'action. Et bon, ça, bien sûr, hein, des moments précieux. Et le ruban qui vient de chez Noz. Et le ruban qui vient de chez Noz, de toute façon, je vous montre tout dans la vidéo. Voilà, c'est celui-ci. Et je voulais quelque chose de vert. Enfin, voilà, autant printanier, on va dire, que l'album en lui-même. Donc. Hop, je range ça. Donc voilà. Donc moi je le trouve sympa. Franchement, quand je fais des albums, bah, après, comme je vous dis à chaque fois, c'est rare que bah, j'aime bien le résultat final. Mais là franchement, je trouve qu'il est pas mal. Donc là, j'avais, vous le verrez dans la vidéo, j'ai eu un problème avec mon ruban. Voilà, donc du coup, il y a un peu de colle dessus. Et ça, c'est bien dommage. Mais voilà, la forme, voilà, ça change un petit peu de la forme carrée. Alors après, comme je vous explique, hein, si vous voulez le faire en forme carrée, vous pourrez le faire en forme carrée. Donc, il sera vachement plus petit. Mais voilà, je voulais une forme un peu plus grande, un peu plus grande pour changer un petit peu de ce qu'on peut faire d'habitude, quoi, aussi. Parce que c'est vrai qu'on fait toujours forme carrée ou forme... voilà, là, j'aime bien ce principe-là. Ça change un petit peu. En fermeture, comme ça aussi, ça change un petit peu. Et vous allez voir que, vraiment, pour le... Que ça soit pour le... Voilà, pour le construire, ou vous allez voir que c'est très 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 simple. Donc celle qui débute, voilà, vous pouvez tenter de le faire, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose que voilà, c'est accessible à tout le monde. J'ai essayé de faire, je vous dis, sur plusieurs vidéos pour que ça soit au plus carré et aussi bien expliqué que je le pouvais. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous allez aimer cet album et que vous allez vouloir voir le tuto que je vous ai préparé du coup bah, hier pour moi. Donc aujourd'hui on est mardi, donc je l'ai fait hier lundi. Et pour vous, vous l'aurez demain mercredi. Donc je vous lance la vidéo aujourd'hui. Donc là je viens de vous envoyer un haul action parce que je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé ce matin. Mais voilà, je voulais absolument vous mettre cette vidéo avant de vous mettre le tuto, quoi. Après, si vous avez, voilà, dans cette vidéo, si vous êtes arrivé jusque-là, si vous avez des demandes particulières, enfin des demandes entre guillemets particulières, si vous avez des tutos que vous aimeriez que je fasse ou voir ou etc., dites-le-moi en commentaire si vous voulez. J'en sais rien, moi, tuto, ben voilà. Alors, des gros albums, comme je vous dis, je peux le faire, encore que je sois pas aussi douée que certaines, hein, franchement, j'ai pas la prétention, hein, mais vraiment pas du tout. Et je sais même pas si j'y arriverai, mais voilà, il faut faire un, voilà, c'est très très long, mais voilà, des petits projets, des petites choses, si vous voulez que je vous montre des petits trucs, voilà, dites-moi en commentaire si voilà c'est dans ma capacité aussi, hein, parce que comme je vous dis, moi je suis pas une pro, hein, donc voilà, mais dites-moi si vous avez des petites idées en commentaire, je suis preneuse. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous dis à demain pour le tuto. J'espère qu'il vous plaira. J'espère qu'il ne sera pas trop long. Au niveau des vidéos, je crois que, je ne sais plus. Il y en a une de... La première vidéo, elle n'est pas longue, mais c'est vraiment que la structure, je crois, et les pages. Et après, le reste, bah, c'est le montage, les pages intérieures, etc. Et après, voilà. Mais normalement, non, les vidéos ne sont pas trop, trop longues. Voilà, bon allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.